Le 4 mai 1944, à 22h30, se trouvant à la brigade, l'adjudant Marionneau Maurice, commandant la brigade, et les gendarmes Bouillon César et Bourdoiseau Maria sont arrêtés en même temps qu'une dizaine d'autres personnes et déportés en Allemagne, au motif de participation active à la résistance locale. Durant ce temps de déportation dans les camps en Allemagne, dont Dachau, l'adjudant Marionneau et le gendarme Bourdoiseau y subissent des violences, privations et tortures. Le gendarme Bouillon y décède. Les rescapés sont libérés en avril 1945 par les Américains. Il décédera le 19 mars 1946, sans avoir pu, malheureusement, reprendre son service.